Ah, mais un stream du coup? Ok. Yo. 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 Les tames, je te donne pas vite fait, je vais pas me dire le nom des voitures comme ça, je me sens pas. Yes. Dans le sens, je suis dans le camp dans le sens. Voilà. Juste pour le top 32. Si un Byron pour le top 16, il fait sinon. Ça, c'est les deux côtés.
Ouais, ça reboot là. Bah, bah bien. Honteux. Hey Tom, ouais, t'as bougé Xerox du coup ou pas? Vas-y. Tu crois? C'est Rémi. Ah, il manque la mèche ici. Merci d'être là. Ah mais il n'y a plus de... Y a le plus serveur d'entraînement, tu peux sortir la méga. Il n'y a plus là. On est sur Yas Marie. Ah ouais, c'est bon, je l'ai trouvé. C'est bon, je l'ai téléchargé vite. Ah, je peux pas. Il n'y a plus le lien. Bah en fait, le lien n'est plus valable. Sinon, pire sur Rome. Sinon, je suis contre Rome. Au pire, tu relances le serveur. Je sais pas si. Elle est à Rome, la voiture. Ouais, 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 j'ai activé. Je sais pas si tu peux me l'envoyer, Tom, s'il te plaît. Merci. Ah oui, ouais. À moins que ce soit le preview, c'est que le start n'est pas sur le test marine. Ouais, ouais, Maxence, t'as.
C'est bon pour toi, Etam. Attendez-moi deux petites secondes. Je me suis dit, ah, ça y est. Bon, allez, je monte. Allez, 3, 2, 1, top. Allez, c'est parti. Troisième manche, j'en joue. Yo, ça sort, chat Jésus. T'es en stream du coup ou pas, tu m'as pas dit? Super, tout le monde entend la voix. Je vais commenter alors. Allez, je check mes places que tout le monde m'entend. Je pense que pareil. Oui, ils m'entendent. Ok. C'est reparti. Bon, les gars. Quitte à mettre un micro, t'en mettre les deux, hein. Allez. 3, 2, 1, top. C'est reparti, les clubs qui s'élancent. Timide un peu là. Et on sort pas là-dessus, Spout. Clubs qui s'élancent. Nice, nice. Allez, feu. Nice. Allez. Et bien joué pour Spout. GG à Spout. Ouais. Le Spout. Bien joué Jesse parce que quand même il a suivi derrière, il a... Ouais, il a suivi mais... Ouais. Petit manque d'entraînement quand même. Gestion de la voiture parce que là... Allez, bien joué les gars. Jesse, malheureusement pour toi, tu n'es pas qualifié. GG à vous. Bien joué à tous les deux parce que j'ai essayé de te rattraper quand même en tant que suiveur. Ouais, d'accord, j'ai vu, bien. Ouais, j'ai essayé, ouais. Bien joué. Bien joué, okay. Bien joué. Bah du coup on prépare prépare le serveur pour le top 32. On peut sortir les gars. Ouais, vous pouvez y aller. Your way is going to be your magnet.
C'est bon, là, ça commence à descendre, ça va descendre en nous deux. On peut chauffer. Voilà, on peut chauffer. Application de
fini. On va essayer. Voilà, allez. Il est là, inside. Non, pas encore. On va croiser les doigts. Au pire, Etam, il fait un stream, hein, et tu regardes sur le stream d'Etam. Ah, c'est bon, mais... C'est pas en direct, j'ai réglé mon souci. Ok, qui c'est qui dit en premier, c'est Spout. Bien sûr, on est là, c'est bon. Ok, je suis prêt. Désolé. Ok, nice, vous êtes prêts? Yes, I. Allez, je vous mute. 1, 2, 3, 2, 1, top. Allez, c'est parti. Je rien ne va plus, déclenchement hasardeux. Zeta qui vient toujours chercher la portière. Une extrémiste. Aïe aïe aïe, attention, Rodolphe. Ouais. Ouais, on n'est pas sur le plus gros run de sa carrière. Ouais. Et du coup, on n'aura pas le replay. Mais j'ai une grosse impression que c'est déclenché après la ligne. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ouais. Ce qui me reste, boire pas être dangereux. Bah... Modération. Mais il est pas là. Du coup, je peux s'il est pas là, c'est pas grave. Avec Zéla, c'est parti. Je fais le top à la vachette là. Allez les gars, 3, 2, 1, hop! C'est reparti, run retour. Et là, pas qu'à votre appel, il est là. Deuxième flip est là. Troisième flip est là. Attention. Oula, une roue dans la zone. Une roue, ça va. Attention ici. Ça propre. Parfaite ligne. Ça passe. Bien. Nice. Bien. Yes, du coup GG, j'ai la mixée là. Je vais lui annoncer la bonne nouvelle. Je démute. Bien joué les gars. Yes, bien joué. C'est sympa. GG à vous deux. Dommage, ouais. Spout, l'initiation était un peu. Ouais. Un peu stressé. Ouais. Initiation, déclenchement un peu après la ligne. C'est pour ça que notre voix va avec Zéla. Yes. Bien joué, hein. Allez, bien joué. Un beau lead. Allez, Zeb, Zeb Zerox, Zeb Leader. Ok, Etam, tu peux me dire c'est qui est passé entre mon frère? C'est Xela. Ok, c'est parce que ton ref, il a pas réussi à initier, il était trop stressé, je crois. Enfin, après, il a loupé des clips et tout, mais. L'initiation était pas facile, ouais, celui en tant que leader, je pense qu'il est. Je sais pas s'il a. Il a pas osé, tu sais. Du coup, leader, c'est. Juste surchauffer un peu mon frère avant, aussi, toi. Ouais, en fait, je fais ce que vous voulez, ouais. Ouh! Je viens de manger une voiture. Pourquoi j'ai une pénalité? Bah, t'as mieux t'as gardé le fichier. Ouais. Ah. Moi, je cherche un peu mon train avant à côté avant. C'est Xerox, mais avec un seul X parce que vous faites des forces majeures à chaque fois. Ah, le dessin pour plus tard. Ah, le dessin pour plus tard, c'est moi. Hein? Non, inside? Ah, ça va et toi, pardon? Ça va, tranquille, pas de soucis, gros. J'ai entendu, mais que la moitié d'un mot. Ouais, mais mon micro, il bug, là. Il casse ouais, les couilles, mon micro. Allez, fais voler les ailes de ton moustique. Non, on va essayer, gros. Allez, vous êtes prêts? Ouais.
3, 2, 1, top. Allez, c'est reparti. J'ai un dégrangement de quelques lignes. Je vois ce qu'il y a là. Je cache pas la portière. Ouais, mais il le pousse à aller plus loin. Attention à cet endroit, c'est très dangereux. Et Zeb qui se laisse pas intimider, qui fait une ligne parfaite. Ouais, parfaite non, mais il fait un bon run, Par contre, il était lent, c'est ça le problème. Ouais. Je suis d'accord, Et puis l'initiation était pas franche. Pas franchement très appelé contre appelé, t'as vu? Non, c'était fluide, tranquille, sans trop de risque. Ouais. Il y a de la marge pour l'amélioration quand même. Allez, Xerox. C'est bien sûr. Attends deux secondes que je le trouve. Troisième. Non, Xerox, il est pas troisième. Ah ouais non, il faut se mettre sur Z là, je ne mets pas sur le suivant quoi. Non. Culé, okay. Il est où? Ah mais c'est bizarre, je suis con, putain, voilà. Je suis stupide. Allez go. Allez les gars, 3, 2, 1, top. Okay, je pense simuler un sur la Z. Ouais. Peu de temps. Un petit peu moins de proximité, je peux pas dire. Il est plus extérieur chez lui. Nous avons le temps, amusons-nous. Allez les gars, replacez-vous one more time. Vous pouvez récupérer de nouveaux pneus si vous voulez. Je vais faire un bac de vide. Sinon, bon, cas, c'est bon. Allez, le garde-robe, allez, rentre maintenant. Attention. Allez, je vous remonte. 3, 2, 1, top. Zeb ne fasse pas l'erreur derrière. S'il va avoir une victoire. Alors, est-ce que ça va donner. Il y a un petit ralenti. Je sais pas si. Si Xerox il a un peu de dive. Un peu dive trop tôt, tu sais, sur le. Ouais. Sur le demi-tour là. Pour l'instant, je pense que la faute elle va plus pour lui. Enfin, à son rencontre. Allez, 3, 2, 1, top. Oh là 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 là. Difficile son initiation, hein. Ouais. Oh là là, il s'en met dans ses vitesses, je crois.
de mutelet. Yo les gars. Ouais. Yo. Du coup Zeb, c'est pour toi. Ok. Alors, malheureusement Xerox, on a trouvé que il y avait pas mal de petites hésitations et des petites galères en lead. Et... Ah bon? Mais bah, je t'ai vu, et ton initiation était beau, enfin ton initiation était aussi beaucoup moins bonne que la sienne sur le deuxième run. Mon frein main il a pas collé. Ouais mais en fait tu as été initié super tard, super droit, donc déjà ça c'était plus la petite touchette sur le... La touchette avec le regrip, ouais. Ouais. Et Après ouais, on a essayé de faire un micro impasse sur le fait que à la fin là il t'a touché, mais c'était vraiment sur la ligne, donc c'est comme et puis si il t'a touché parce qu'il essaie de te revenir dessus parce que tu l'as un peu brain sur l'axel, du coup voilà. En tout cas GG à toi, gros. En tout cas GG les gars. Ouais parce que c'était pas évident la vie de moi, ouais. j'ai fait ce que je pouvais. Ouais. C'est bon, on peut sortir les gars? Ouais. Ok bah nickel. Ouais, GG, ouais. En tout cas, c'est dommage parce que la proximité. Ouais. Proximité bah ouais, était là en fait. Je me suis... Le truc, c'est que j'avais beaucoup de grippe et derrière, moi j'étais à l'agonie. Ça s'est vu, mais même quand sur le. Avant le jump, j'ai l'impression que t'as foiré ta vitesse, ou je sais pas ce que t'as fait. Ah non, en fait, pas du tout. Ah ouais, bah en gros, tu t'es. Non, pas du tout, c'est juste que je veux mon turbolette pour avoir plus de vitesse et sortir plus fort. Ah, bah du coup, lui, ça l'a foutu dans le dur en fait. Parce que bah il revenait sur toi et toi tu freinais là où sur une zone de... enfin t'accélérais pas bah sur non, une zone d'accélération, ce que je veux dire. J'étais en train d'accélérer. Ouais mais tu... enfin, moi j'ai vu vraiment vitesse. Du dessus tu t'es échoué un petit peu. Ah, t'aurais dû avoir le compteur parce que je prenais de la vitesse, sinon je pourrais pas m'échapper autant. Bah si tu t'es échappé parce qu'en fait lui quand il est arrivé sur toi, t'es parti à ce moment-là alors que normalement t'aurais dû partir un tout petit peu plus, enfin t'aurais dû partir plus tôt en fait. Du coup il a dive en pensant que qu'il allait te rattraper mais t'as pas avancé trop vite en fait, du coup il s'est freiné à fond. Je te mettrais le replay avec le compteur, mais non, bon, tant pis. De toute façon, c'est fait. Bon, après, l'erreur que t'as faite, toi, en tant que suiveur, de l'avoir tapé et regrippé est plus importante. Ouais. L'initiation aussi, surtout, ça joue beaucoup. Ouais, non, mais oui, l'initiation, ça c'est normal, quand même. En tout cas, GG, hein. Ciao, les gars. T'as bien roulé. Ouais, juste, ça me fait chier l'initiation, j'ai fait de la merde, tu as le premier, il a payé. C'est dommage. Surtout pour la première battle de perte, c'est moi l'autre jour sur Yasmarina, comment j'étais déçu, tu sais même pas. Bon les gars, on va passer au suivant. GG. Vas-y, pas de soucis, ouais. Merci les gars en tout cas. On va frapper sur Irondale. Oh. Hop, alors là on passe à Théo et Alexis B. Ouais les gars. Ça va être Théo en lead. Oui, il a pas pète les oies. Allez, les gars, on se met sur la start line là. Bon, en fait, on vous le dit, hein, vous, les autres, si regardent le stream, vont le voir. Faites vraiment au maximum, le plus belle initiation possible. Hein, parce que c'est. Ouais, pour l'instant, c'est ce qui détermine pas mal les rounds. Parce que chacun fait des petites erreurs par-ci par-là. On est vraiment sur l'initiation. Allez, on se présente sur la start line, plus possible. Hop. Allez, ça va vous faire le top. 3, 2, 1, top. Allez, top à la machette. Nice. Oh. Très belle initiation des colliders de folie. Attention à ne pas avoir de contact. Tioca a du mal. Hein. Il a du mal, ouais, il est obligé de bon, beaucoup freiner pour. Il a fait une belle initiation. Ouais. En tout cas, il a fait pour l'instant une belle initiation, c'est cool, c'est plaisir. Parce que Zerox, j'ai joué avec lui hier soir. Et tout du long, ils étaient des meilleures initiations que ce qu'il a fait tout à l'heure. Ouais, la pression. Ouais, c'est ça, vite fait. Bon, après lui, il a l'habitude, je pense. Mais si on peut pas la boire, faut la prendre. Ouais, non, faut la boire tous les jours. Allez, ça part.
Allez, 3, 2, 1, go. Mal à Dave proprement. Ouais, ouais. Oh là, la main a chopé l'angle qu'il lui faut. J'ai l'impression qu'il est arrivé. Ouh là là. Aïe aïe aïe, c'est un sort malheureusement. Ouh là là. Je vais aller mettre les deux rouges à Alexis. Ça sort plus le rouge à Alexis, mais ouais, Théo, bah, il m'a fait peur. Il vient de se sortir. Ouais. Bon bah, GG à. La grosse initiation de Théo n'aura pas servi. GG à Alexis. Moi, n'aura pas suffi. Oh merde, j'ai fait quoi? Par contre, je veux ? Allez, par contre, tu veux. GG à toi. Ah ouais, bah tout à l'heure. On s'y attendait pas, hein, franchement, putain. Ouais. Ah ouais, putain, mais il est chaud, bail des fois. Tellement chaud ce bail. À tout. Donc, dans 3 battles. Allez, les gars.
Ouais, du coup, pas. Il y a droit à. Un seul faux départ, donc applique-toi. D'accord. Prends ton temps, de toute façon, ça sert à rien d'aller vite là, tu vas devoir freiner juste après. Donc, Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as fait? Il a vu le plot, il a mangé, tout simplement. Ah ouais? C'est la grosse dalle, quoi. Toujours une fausse dalle comme ça. Et ça nous est tous arrivé. Allez. On attend Tails qui crame ses gomards là. Allez, on s'applique. 3, 2, 1, go! Sortie, hein. J'ai pas vu la deuxième. Je sais pas si la deuxième est en entière, mais. Oh là 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 là. Ouais.
Malheureusement, ça va être pour Tails. Quoi? Malheureusement, ça va être pour Tails. Il va vraiment pousser, pousser, regripper et repousser. Ouais. Ça me fait juste pas bien vu le deuxième pneu. Vu la vitesse qu'il a réussi à garder, j'ai l'impression qu'il a pas mis les deux pneus. Mmh. C'est ça qui me casse la tête. Ouais. On aurait été plus, j'aurais mis le replay, on aurait bien vu. Moi. Je suis. Allez, okay. One more time, les gars. Juste comme ça, Tails, t'as sorti les deux pneus ou t'as sorti qu'un, tu penses? Je suis en vue intérieure donc. Ok. Parce qu'on ne sait pas trop vraiment si t'as sorti les deux pneus. Pour moi, il y avait un bon pneu et l'autre, je sais pas trop si le deuxième était sorti. Ah, l'autre c'était juste avant la vie. Je sais même pas si c'était même pas un tout petit peu dehors. Mais... Mm-hmm. Dans le doute, on peut faire one more time parce que dans le. Pardonne vos deux erreurs. Pneus, plus, ouais, voilà, l'erreur de Rémi, donc reconcentrez-vous. De toute façon, on est en top 16, on va voir du jeu. Appliquez-vous. Allez. 3, 2, 1, go. Oh, comment elle fume la Mercos, n'importe. Cette fumée bleue là en plus. Oh, attention. Sans la différence de grip, ça manque un peu les clips, carrément. Nice, hein, bon, ça a loupé des clips, mais. Ligne plus propre. Ouais. Ouais. Allez, on est parti là. Je vois pas Théo dans la liste. Il est grisé. TMD. Ah, mais il est grisé pour moi. Je le vois aussi. Ah, mais il doit être dans la deuxième page, non? Non. Ouais, non, même pas. Non, il est pas dans la deuxième page. Bah, tant pis, prends Tails et regarde derrière toi. Ouais, je vais faire ça. Ok. Mazou, cette 3, voiture. 2, 1, go. Beaucoup de distance quand même. Oh, Théo, dommage. C'est bon, t'as vu, presque. On va avoir du mal à revenir, malheureusement. Mais attends, c'est pas Théo, c'est Rems, non? Attends, c'est qui? Oui, c'est Rémi, c'est pas du Théo. Putain, moi je te suis, tu sais. Vas-y, bah là, pour le coup. C'était issu. C'est vrai, ouais. Allez, bien joué, les gars. Malheureusement, Rémi s'est fait distancer. Ouais. GG. Ouais, 3 d'erreur ce soir. Ouais. C'est dommage. Après, vous aviez des voitures bien différentes aussi. Allez, c'était pas facile de chaser une voiture comme ça. C'est pareil, pas que la tienne. Allez, j'aurais pu nous jouer. J'ai fait le reste. Bah, la prochaine fois. Allez, à tout à l'heure, bien joué. Merci. Allez, on passe à Damien Destive. Damien en lead. Ouais, les gars. Ouais. Comment que c'est? On est là. Prêt à éclater les portières. Attends, faut que je vienne, moi je suis gay loin. Ouais, je suis en de chauffer les pneus. Commence leader, non? Oui, c'est toi le qui lead, ouais. Ouais. Exact.
Ouais, go. Steve qui loupe le clip. Un petit peu. Ah, il est dehors. Léger. Ouh, attention, alors, dommage, parce que deux petites erreurs de Damien là pour le coup. Oui, il y a eu des erreurs avant de Steve qui a pas réussi à bien se placer sur les clips. On va essayer de récupérer la prox. Relativement équivalent pour l'instant, pas trop d'avantages à donner, j'ai l'impression. On va voir ce que Destiny nous fait. Ah, tu peux les lancer. Allez. 3, 2, 1, go! Nickel, l'appel contre appel là. Le bon clip. Damien qui n'est pas hyper présent mais qui pousse pas. L'angle. L'angle, mais il a pas vraiment su conserver. Il a clutch un peu trop tard, j'ai l'impression. Okay. Allez, je te suis. Allez. Allez, one more time, les gars, remplacez-vous. GG à vous. On part sur OMT. Allez, Steve qui a Babel Wed. Non, il est back to pit, mais c'est comme Nicolas, il se tape le pit qui est à l'autre bout du monde. Là. Ah ouais, attention au départ. 3, 2, 1, go. Ouh, maman, il l'envoie. Et il est pire. Bon, 0 pour Damien. Dommage. Dommage. Steve, quoi? 0 pour. Mais il a pas initié Damien, frère. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. C'est con parce que je sais pas si s'est remêlé les pattes ou je sais pas ce qu'il a fait. Il a déclenché au dernier moment en frein. Allez, le replay. Regarde, tu vois, il arrive et il a. Tu vois, en fait, je pense qu'il s'est planté sur son premier appel contre appel. Je sais pas si c'est son frein qui a pas marché ou quoi. Mais. Et voilà. Ah, c'est dommage pour lui. Et finalement, du coup, ouais, les plaies remarchent plus tard sur les avions. C'est prêt. 3, 2, 1, go. Allez, très belle initiation. Damien qui a bien jeté là, mais. Tout ce qu'il peut pour revenir. Ouais. Pour essayer de mettre la pression et pousser Destiny à faire une heure. Steve qui était à la
porte du... à la porte du bas, quoi, je crois bien. Ouais. Alors attends, je vais... Est-ce qu'on a... Ah non, on n'a pas le replay. Ah putain. Là, le problème, c'est que... Il allait faire un backward, j'ai l'impression. C'était quand même vachement... Il, y quand là, il s'est retrouvé d'angle. Devant le nez de... Et après, Damien était devant lui. Mais est-ce... Ouais, ouais. Le problème, c'est que si... C'est niveau chronologie, en fait, si Destive a fait son backward... s'il l'a vraiment fait, peu importe que Damien ou pas soit venu, c'est un zéro pour lui. Le souci, c'est que malheureusement... Là... Ouais, fais ça, s'il te plaît. On va aller vérifier sur le streaming. Alors, il arrive, il se balance. Et on va regarder ça avec vous, hein, mais il... je suis presque sûr que ça ressemble à un backward. Hein. T'as c'est... Ah non, hein. C'est pas backward. Pour moi non plus. C'est limite, mais c'est pas bas quoi. Bon bah. Non, non. J'ai déjà des Steve. Hein. Vraiment dommage. Ouais. Tu peux aider mute. Ouais. Bravo les gars. Oh, ouais. J'ai déjà vous deux, du coup. Bon, le premier one more time c'était parce que. Il y a eu chacun des petites erreurs, du coup, préféré être sûr. Et là, pour le coup, ça appartient à Destive. On a dû partir vérifier dans le stream s'il avait fait un backward avant que tu le déranges pour potentiellement repartir sur un one more time, sachant que du coup, peu importe que tu le déranges ou pas, ça aurait fait un zéro pour lui. Et malheureusement, il a quelques degrés du backward, mais il est pas enfin de 90 degrés même, il est même pas à 90, mais il est pas en backward. Je veux pas être mauvais perdant, mais c'était impossible que je l'évite. C'était quoi? Impossible que je l'évite. Genre, t'étais 10 fois trop long, genre. Ouais, ouais, non, il a vraiment ralenti, hein. C'est fou. Après, sur le premier run, de toute manière. Oui. Non, mais oui, c'est non, ça, mais c'est ça, il y a des erreurs des deux côtés. C'est ça, Gervais, il y avait des erreurs des deux côtés. Le problème, c'est que le problème d'initiation était vraiment très, très, on va dire, gras. C'est un zéro, mais c'est vraiment un zéro, genre. De... Tu vois, c'est les zéros. Plutôt pas censé arriver là. Là, le souci c'est que on a vu que de toute façon, même s'il y a eu un balancement bizarre et un peu trop costaud, de toute façon, genre t'as pas freiné assez, tu t'es pas bien placé en fait, tu t'es planté, mais tu t'es pas planté en freinant trop par exemple, ou quoi, genre t'es en partie trop à l'intérieur et tout. Du coup, voilà, on a hésité, c'était pas loin pour le one more time, hein. C'est vraiment pas loin, ouais. Mais. Et pour le coup, ça va partir à Destive. Désolé. En tout cas, j'ai déjà tous les deux, mais c'est ouais, dommage. Merci. C'était compliqué.
Good luck, hein. Soyez chaud, soyez concentré. Chaud patate. Et puis bah, que mieux gagne, hein. Allez, 3, 2, 1, go. Un beau run de Nicolas, il va bien chercher. Une team qui vient coller aussi, hein. Ouais. Alors attention. Septième. Alors. Alors pour moi, ouais. Par contre, Nicolas n'est pas allé très très loin, et c'est ça qui a foutu Zentium dans la merde, j'ai l'impression. On va regarder ce replay là, s'il marche. Il marche une fois sur 15. Alors, initiation à l'épreuve, Zentium il est pas là. Il se rapproche bien, il rattrape son retard. Malheureusement, ouais, différence de ligne sur ce machin, sur ce dernier clip. Allez, tu peux les lancer. Ouais. 3, 2, 1, go. Alors, oulala, ça monte, ça monte, ça monte. Oulala, qu'est-ce que vous avez fait là, Nico? Il a perdu le poteau. Oulala, c'est fastidieux aussi pour Nico qui loupe ses clips. Alors, aïe, beaucoup mort. Plus de mal à enlever un chaser qu'un leader. Remplacez-vous, one more time. Ouais, du coup on a jugé que les erreurs de Nico en chase étaient possiblement dues aux petites erreurs de lead de légères erreurs de lead de Xentium, et que du coup ça balançait un peu le tout. Même si c'est quand même des grosses erreurs, on a jugé bon de passer en one more time parce que sur Nicolas, essaie de pas trop mordre les clips en tant que. Ouais. Ah ouais. Mais ouais, c'est vraiment pas passé loin pour le coup. Allez, 3, 2, 1, go. Très belle initiation, Nico il envoie tout. Voilà, là. Parfait. Alors, un peu léger. Ouh, aïe, c'est échappé. Ouais, alors bon, c'est une grosse erreur de Xentium là. Pour le coup, mais c'est pas un zéro. Non, c'est pas un zéro. Encore peut-être moyen de faire quelque chose encore, ça va dépendre de. Ça va dire parce que le run de Nico il est très propre. Mm-hmm. Nico, si tu lui donnes un run propre, il fait du propre en général. Donc, Alors, ça. Gros avantage pour Nico pour l'instant.
Allez, 3, 2, 1, go. Alors, légère appel contre appel, presque tardif. Nico qui est là. Ouh, attention, Nico. Ils sont bien pris, on a compris la leçon. Il y a toujours du mal ici à rester à l'extérieur. Malheureusement, je reviens de plus. Ouais. Peu importe, j'ai envie de dire, c'est Nico qui passe hein, quand on parle les runs. Nico a fait un lead propre. Et puis sur son chase, il était vraiment là. Chase, il, là. Il s'est fait peur aussi, je crois. Il y a des moments. Oulololol. Allez, bien joué, les gars. GG à vous deux. Voilà, je fais de la merde. C'est dommage. Je me suis appliqué sur ma ligne comme un suceur de vieux. Eh bah, on a vu. Très appliqué. La dernière, je l'ai bien léché à l'extérieur, là, mon gars. T'as bien raison. J'avais pris ça. C'est ce qu'on veut. Il a pris un boulevard. Monumental. Zemzom s'est rattrapé aussi, il a fait un meilleur lead que tout à l'heure. Ouais. Même si un peu peu timide sur l'initiation quand même. Hein. Mais d'habitude je déclenche vachement plus fort. Je sais pas pourquoi. En tout cas, j'ai à vous deux. Hein. C'était cool. Ouais, ça va, c'était nice. Yes. Allez, bien joué tout à l'heure. Allez, ça marche. Donc là, on sort du serveur. Ouais, de toute façon, on va reboot donc ouais. Ça marche. Ouais, tu me dis qui se le sort. Tu sors tout le monde sauf. Alors attends, on va mettre la petite pause vite fait. Your way is on the back.
I'm
Vas-y, allez, quand tu veux. Quand tu veux. Oh, pas de son. Électrique. Moi, j'ai le son. Fastidieux, hein. Allez, tartine ta pote dedans, gamin. Allez, balance-la, la voiture. Ouh là là, elle était pas loin du regrip, je crois. Ouh, elle est stressée. Ça devrait trop pas lui dire, dû lui dire qu'il pouvait se faire éliminer. Ouais. C'est encore pire quand on est tout seul, je crois. Ouais, y'a moyen. Allez, ça passe. À tout. Allez, vas-y, c'est qui le prochain? Allez, c'est Xelazeb. C'est là, Zeb, placé sur Starline. Yep. Et c'est Zeb qui dit. Attends, deux secondes. Est-ce que si je fais ça, ça marche ou pas? Ah ouais. Nice. Allez, du coup, Xela lead. Xela qui RPZ, ça qu'on veut. Allez, 3, 2, 1, go. Allez, Xela qui fait le gros taf, Zeb qui lui remonte à la portière. Alors attends, s'il te plaît, dis-moi que je peux voir le replay là-dessus. Inculé. Je sais pas. Ta mère. Non, Zeb il a poussé Xela au tout début ou pas? Non, non, non. J'ai cru qu'il avait tapoté, mais je pense que c'est juste lag en fait. J'ai eu un tout petit coup de lag. Ok, ok. Petit cadeau. Ah, le gitan là. Attends, je vais sur le là. Ok, c'est bon. Allez, 3, 2, 1, go. Et c'est parti. Le Mickey, le Mickey. Allez, bonne initiation, Xela qui fait ce qu'il faut pour revenir. Il coupe un peu, mais. Ouh là là là, Xela, attention. Alors, Xela qui garde une portière des plus lustrées. Ouh là 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 là. Malheureusement, il a quand même coupé salement le premier coup. Qui? Xela? Xela a coupé. Ouais, mais le Chase a le droit de couper son machin. Bon après il a un peu trop coupé, je suis d'accord, ouais. Dans l'idéal tu coupes pas autant, mais c'est pas genre c'est pas zéro, t'as vu. Non, c'est un zéro pour le leader. Alors
je trouve le... Le lead de Xela était plus propre. Le lead de Xela était plus propre. Chase aussi, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, ouais. Le Chase, il l'a poussé, il l'a littéralement. Hein. Ok, bien joué les gars. GG à vous deux. Ouais. Yes. Lead contre lead, c'est Xela qui a été le plus propre. Ouais. Et Chase contre Chase, Xela était plus là que... C'était pas loin, hein, mais ouais. Le clip manqué, ton clip manqué, Zeb, ça t'a... Ouais. Ouais. Ça t'a vraiment mis dedans, quoi, ouais. Quel clip? Le clip avant de, tu sais, avant la grande accélération qui t'emmène sur l'espèce de Mungie un peu avant le jump. C'est parce que j'ai une mini touchette de Xela en fait. Après, je sais pas si vous il l'avez vu. Il a vraiment vu, touché ou... Alors attends, je vais. Moi, je l'avais pas vu. Pour moi, c'est sûr, les gars. Après, j'ai rien contre Xela. Vais... Non, je vais vérifier. Non, mais... Je t'ai vu te décaler, mais pour moi, j'ai rien. Il va faire une photo sur le podium. Allez. Du coup, on passe one more time. Feu. 3, 2, 1, go. Et comme disait là, il suit, il a toujours tendance à. Ouais, bah, c'est ça le dommage quand t'es proche. Moi, c'est pareil, quand j'aime bien être vraiment proche. Et du coup, bah là, comme Zeb. Hein. Ah, et là, il n'y a pas comme Zeb qui fait un gros taf. Par contre, il n'arrive pas trop à se décaler, pas prendre le clip, mais bon, il est là. Après, Xela lui sert un beau lead aussi, hein. Faut dire ouais, ce qui est. S'il te plaît, mets-moi un replay. Oh, frère, j'ai pu. Bon. On est sur un gros run quand même. Cinq conditions verticales. On va entendre.
Ok, je me mets sur ça. Mais c'est pas parce que j'ai mon jeu qui a des tout petits freezes. Ah. Alors que mon. Quand je regarde le stream, j'ai pas. Je les ai pas ces freezes. 1, 3, 2, 1, go. Les parents trop me. Ouh là là, que j'ai l'attention. Alors, il est là, là. Ouh, clip raté. Clip raté. Alors. Ouh là 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 là, Zeb qui a eu du mal là aussi. Hein. Ah là, lead contre lead. C'est dommage parce que Xela s'est planté, genre, quand même très très fort sur son. Sur son premier clip, sur son initiation. C'est franchement dommage pour Zeb, mais ouais. Si on fait vraiment lead pour lead, c'est là sorti un meilleur KV1. Ouais. Allez, bien joué. Xela rembourse de manche. Yes. Ouais, ça a été. C'est con, Zeb, hein. Franchement, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est. Ouais, c'est, là on a franchement surtout comparé les run lead en fait. Et lui il t'a tellement. Il t'a tellement sorti un caviar en fait que derrière le fait que toi tu fasses des petites. Bah des petites erreurs en lead, ouais ça. Alors qu'en plus lui il en faisait des erreurs derrière. C'est-à-dire que toi si tu faisais un lead juste sans erreur, juste en prenant les clips, tu l'avais en fait, clairement. Ah bah après c'est le jeu, c'est comme ça. C'est dommage, c'est dommage. Mais en tout cas les gars, Boron, non? Ouais. Ouais bah j'ai pas le regret, bon en tout cas j'ai. Non, Boron. Attends, pour. En tout cas GG à toi que c'est là. Ah bah oui, mais là tu m'as fait stresser, hein. Alors, on a vu, le chase t'étais vraiment pas du tout serein. Ouais. En tout cas, Boron ou deux. Ouais, cyber les gars. Ah t'as là. Et bah celui-là était ça fait toujours mal au cœur de donner un gagnant sur les trucs comme ça parce que t'as tout autant envie de donner one more time. Ouais, c'est qui le prochain? Alexis Maxence, oulala, on va voir. Or du bon jeu. On en a déjà eu mais normalement on devrait avoir un beau fight. Ah ouais. Allez Alexis leader, Maxence Chase. Le battle fratricide. Je savais pas que Xerox était PSR moi. Oh ouais bah. Ouais. Ouais. Bah non apparemment depuis longtemps. Bah tu l'as depuis le début ouais mais il a jamais été absent quoi. Enfin il est jamais présent. Donc, ouais. Allez. 3, 2, 1, go. Ça initie bien. On a deux balles sur la ligne. Ah. Franchement, beau run lead. Ouais. Beau run lead Maxence, ça. Légèrement distant au début quand même. Hein. Ouais. On va voir là. S'il arrive à vraiment faire un appel contre appel de fou, ça il sait faire. S'il arrive à faire un appel contre appel de fou et que Alexis arrive pas à suivre. Est-ce qu'il a joué la sécurité? Oh ça. Allez les gars, vous êtes prêts? 3, 2, 1, go. Alors Maxence qui a ralenti, pourquoi c'est pas. Petite hésitation est partie. Alors ouais, franchement, attends, ne démute pas. Franchement, je trouve
Est-ce que je peux voir le replay là ou pas? Faut que je leur voie avec le son parce que pour le coup. J'ai l'impression que Maxence il a accéléré, il a ralenti puis il a réaccéléré sur son. Avant son initiation. Tu trouves pas? Attends. Non, c'est si, il a arrêté d'accélérer. Il a arrêté d'accélérer. Pour moi, c'est one more time, du coup. À cause de ça, ouais, clairement. Ouais. Tu peux les démute. Ouais, attends, je veux juste un petit là. Okay. Ouais, les gars. Alors, attends, Alexis, démute. Ouais, du coup, oui. Ouais. Du coup, beau run, hein, en tout cas, à tous les deux. Par merci. Contre, on va donner one more time. Parce que j'ai trouvé que. Après, Alexis, tu peux me confirmer ça. Mais Maxence, en fait, sur ton initiation, avant d'initier, t'es sorti du virage et t'as arrêté d'accélérer, en fait. Bah, mais c'est pour ça, je sais pas si vous avez voilà, et du coup, Alexis, il t'a tapé dedans, et du coup, t'es parti pile quand il t'a tapé, et en fait, ça l'a foutu dans le dur pour tout le reste du run. Et là, il s'est bien rattrapé. On peut pas se mettre droit? Si, tu peux te mettre droit, mais t'es pas censé ralentir, c'est une zone d'accélération. Tu drift? Ouais, mais là, toi, t'as arrêté d'accélérer, enfin, je veux dire. T'as lâché l'accélérateur, tu vois ce que je veux dire? Non, juste en fait, le truc c'est que t'as lâché l'accélérateur. Et en fait, ça t'a fait genre. Bah, lui il était collé à toi, et du coup, t'as ralenti et t'as tapé dedans. Et ça l'a mis dans le dur pour tout le reste. Mais sinon, s'il n'y avait pas eu cette erreur, ça partait sur une victoire pour toi. Juste. Ouais, mais de toute façon, c'est vraiment vu. Non, mais y'a pas de souci. Juste, on donne more time juste pour vraiment voir. En tout cas, beau run à tous les deux. Ouais, non, de ouf, clairement. Fait plaisir. Maxence qui monte très très fort au créneau là. Attention à lui, pas touché, très belle proximité. Belle ligne, il va prendre l'équipe. Ouais, transition très proche. En tout cas, il lui. Bon, il a légèrement ralenti, mais pareil, encore une fois, Alexis qui lui sort un caviar. Hein. Ça, je sens que ça va être dur à départager ça. La transition avant le saut était vraiment à la limite de bouger. Ouais, elle était cool. Est-ce qu'on peut avoir un replay de ça? Attends, avant de les faire partir, je regarde le replay. Ok. Ouais. Attention au départ. 3, 2, 1, top. On sent que les deux ont l'habitude de jouer ensemble. Ouais. Malheureusement, il se fait distancer un peu à cause du grip, j'ai l'impression. Ouais. Bon bah là on a eu. On a eu deux bolides hein, mais on a eu un meilleur chase, voilà, tout simplement. Allez. Merci. Ouais, bien joué. J'ai déjà vu. Et puis les deux leads, je vais pas dire similaires mais équivalents en niveau et puis juste derrière bah différence de chase hein. Mais en tout cas gros run. Ouais. T'as fait quoi, Alex? À chaque fois, à ton déclenchement, je me fais surprendre, j'arrive trop fort, du coup, je mets un petit coup de frein. Ah merde.
Oh, après, il était là, hein. Il était là dans les premiers clips, mais c'est vrai que dans le juste avant le saut là, quand tu repars pour avant le saut là, tu le distances. Tu t'es un petit peu envolé. Ouais. Ah ok. Voilà, tu t'envoles à ce moment-là et du coup après il a du mal à rattraper pour la ouais. Dernière courbe. Ouais, carrément. Ok, ok. En tout cas, j'ai à vous deux. Bon run, c'est cool. Merci. GG. Allez, à tout à l'heure. Ouais les gars. Ouais. C'est à vous. Ah bon? Eh oui. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, Steve, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, Steve. Oui, c'est bon. Attends, je règle ma caméra. Je vois que Steve ne représente pas aujourd'hui. Oh, c'est pas le message aujourd'hui. C'est qui par qui contre, Tails, en premier Tails, c'est écrit E-Tails. T'es devenu. Mon nom E-Tails. E-Tails Alien. C'est qui lead en premier? Ça va être Pop-up de Steve. Non, okay. Tails devant moi. Tails? Ouais. Les clignons sont en fonction. La marche arrière fonctionne aussi. Allez. 3, 2, 1, go! Tails légèrement timide hein, sur les clips. Okay. Et les Steve qui a un peu du mal à venir chercher comme ça. Et Tails qui prend très bien à l'extérieur. Très bien. Steve qui revient à la fin. Cette transition avant le saut, c'est vraiment c'est la transition où tout le monde se fait distancer. Ben, elle est pas facile en même temps. Le problème c'est que si vraiment t'anticipes pas à fond ce que fait l'autre, c'est très bien. Bon, troisième clip un peu léger pour tel, sinon les autres sont bien remplis. Très belle trage sur le dernier. Allez. 3, 2, 1, hop. Alors on continue. Ça gêne très peu. Allez, Tails qui est complètement là. Attention à pas se faire enfermer. Ouh, Deceive qui a quand même pas mal loupé le clip. C'est-à-dire ce qui est. Et Tails derrière qui fait gros run qualif. Ouais. Je pense que bon, voilà. On a gagné. Victoire de Tails. GG à vous deux. Mais ouais, petite différence d'une erreur sur le lead qui fait que Tails l'emporte. Comment? J'ai fait quoi comme erreur sur le lead? T'as presque loupé un clip, tu sais l'espèce de clip avant le Mungie là, qui est en intérieur. T'es passé très loin et t'as beaucoup ralenti en mode pour essayer d'aller le chercher. Même en ralentissant, t'as pas réussi à. Je sais même pas si t'as vraiment bien pris avec ton pare-choc le clip. Peut-être ton pare-choc l'avait, mais c'est un. Non, bah, c'est juste. Ah, c'est juste que ouais. C'est, non, non, c'est pas grand-chose, hein, mais ouais. Aucun problème, merci les gars. Tails derrière qui a fait un gros run. Allez, bien joué, à tout à l'heure. Yes, j'ai à tous les deux. Et donc on part pour Marco Nico. Nico en haut. Marco Lido. Nicolas qui est là, il attend son petit camarade. On va voir si tu es devant ou derrière, je sais pas. Tu es devant. Non derrière. C'est à nous là? Ouais, c'est à toi. Je sens qu'il n'y a personne qui regarde le stream aujourd'hui. C'est à nous là? Ouais, c'est à nous. J'espère juste ça va aller, Mako là. Je sens qu'il n'y a personne. On a un ping sur ça.
Là je suis à 250, ça redescend. J'étais à 15 depuis tout à l'heure, là ça y est, ça redescend. Là j'ai eu. On peut vous donner 30 secondes si vous voulez. Mais ça redescend, 176. Attends, j'ai pas eu de soucis toute la journée. Ça y est, ça redescend. Peu, ça redescend. Allez, je vous mute. On essaie de check leur. Check son ping. On va partir dans une dizaine de secondes. Là, c'est stabilisé. Ok. Je laisse faire le top. Putain, un peu parce que ça descend du tour. On va stabiliser tout le 60. Allez. 3, 2, 1, go. Ouais, Nicolas qui s'est fait s'est lancé un peu plus fort que Marco pour le coup, mais qui va revenir. Marco, t'es un peu loin sur ce clip hein. Marco qui est très très droit quand même. On va faire un run plus propre tout à l'heure que tout seul. Ouais ouais, mais tout à l'heure c'est pareil, il était quand même très droit aussi. Ouais ouais. Du mal à aller chercher l'angle. Ça sera télécharger du porno pendant la cup. Mais pas oublier de fermer les torrents, très important. Si Nicolas nous fait un run lead dont il a le secret, malheureusement ça risque d'être d'être dur. Allez, pour 3, Marco. 2, 1, top. Dans la liste des participants de la Corona Cup, mais tu as expulsé du salon en fait. Désolé, t'as perdu ton camarade en vocal. J'ai fait expulser au début de l'unité. Ça va pas déstabiliser, heureusement. Donc il revient. Là, tu peux suivre mon message en jeu. C'est bizarre, il est à côté de moi, là. Je sais pas si ça lui fait une toulune, peut-être, mais... Je sais pas du tout. Essaye de faire un petit coup de klaxon, voir si ça peut. C'est un chemin. Je crois, ouais. Bon, au pire, donne le résultat, je lui envoie un message. Ouais, bah Nicolas, c'est pour toi. Hein. D'accord, ok, ça marche. J'ai déjà toi. Bon, merci. Et puis, bon, on se revoit dans pas longtemps, de toute façon. Ouais, pour le top 4. Ça, yes. Ouais. Yes. J'ai marqué. Allez, à tout à l'heure. Donc, je vais le retrouver dans la. Hop. Ouais. Ça marche. Hop. Ah. Oh là là. Il y a des gars, putain. J'ai le stress qui monte dans cette. Allez, les gars. Alors, on chie dans son froc avant le run, comme ça on a chaud pour le run, on est à l'aise. Tu as dit quoi? Je dis on se chie dessus avant le run, pas pendant ni après. Mais comme ça c'est chaud, c'est confortable. C'est chaud, c'est confort, on est propre. Vous êtes là, c'est
La ligne, c'est la ligne pour tout. Il était déjà parti. Ok, en fait. On se calme. Et qui veut vraiment son jump start. Mais qui part 40 secondes avant. Allez, je vous mute. Hop. Allez, 3, 2, 1, top. Attention de pas les kicks, hein. Mais je fais plus attention, mais il est juste en dessous. C'est là qui nous fait un bon run, hein. Franchement. Maxence qui est là forcément. Je pense qu'il a les moyens de gagner sa première place. Hein. Ah, malheureusement, correction ici. Bon. En tout cas, bon run. Ce que Maxence nous fait. Allez, bien joué à vous les gars. C'est là qui nous met une proxy de fou. Clairement, c'était très 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 costaud du côté de Xela en chase. Enfin, Maxence aussi, mais pour le coup, Xela il était en train de frotter la voiture sans la toucher. Je vais avoir besoin d'un petit replay. 2 minutes. Je reviens. Parce que ouais, Maxence, c'est ça que je suis en train de... Attends, est-ce que je vais mettre le YouTube là. Maxence, il a quand même pris très inter... Bon, il avait fait un gros run, hein, il a pas chier. Ouais, ouais. Xela était totalement là, et je sais pas si tu veux regarder sur le stream ou quoi, ou faire le playback. Ouais. Maxence est passé très très intérieur. Oui. Tu vois, alors, bon, on avait donné comme consigne de passer à l'extérieur, bon. Il fait un beau truc. Maintenant, je veux juste venir voir et recomparer avec le run de Xela parce que je sais que Xela s'est vachement freiné, enfin il me semble que Xela s'est quand même pas mal freiné sur le tout dernier machin. Et ouais, Xela il prend aussi mieux le deuxième clip, enfin, ça a quand même une grosse proxy aussi, hein, parce qu'il est... Xela était vraiment plus agressif. Ça, c'est... Moi je vais donner one more time parce que je vais... ouais, pas tant que ça. Moi je vais donner one more time parce que pour moi le premier clip, le deuxième clip plutôt, de Maxence c'était un tout petit, était un peu moins profond que celui de Xela. Par contre Xela lui sur le tout dernier clip, en arrivant sur le tout dernier clip, il était un petit peu moins fluide, il a perdu un peu de vitesse. Ouais. Pour moi c'est les erreurs qui plus ou moins se valent. Je donne one more time. Voilà. Faisons ça alors. Allez les gars, passez à vous. J'ai tous les deux. Pour un petit tour en plus. Vous pouvez changer vos pneus. Un tour gratuit. Ouais. On a trouvé que la différence sur le deuxième clip. Le deuxième clip a été mieux pris par Xela que par Maxence. Par contre, sur le
sur la dernière la redescente du jump pour arriver au tout dernier clip. Xela était moins confiant et toi Maxence tu l'as pris très très intérieur. La consigne c'est de le prendre le plus à l'extérieur possible. Tu l'as bien pris, t'étais souple mais t'étais pas au meilleur endroit possible. Donc voilà, pour ça on vous fait un remonter. Allez. 3, 2, 1, go. C'est un Xela qui prend encore beaucoup plus profond celui-là. Maxence qui est là hein. Tout ce qu'il a. Ouais, attention, c'est bon, bien prendre ce virage là le plus large possible. Et dommage. Dommage. Il l'a passé mais malheureusement il a encore passé à l'intérieur. En soi pas d'autre. Il n'y a pas d'erreur, il y a juste une ligne qui n'est pas idéale à la fin. Alors. C'est vraiment le plus compliqué, franchement, ce virage à aller chercher loin. C'est la vitesse et t'as peur de sortir à la fin. Soit t'es plus ou moins obligé de faire une espèce de frein pied gauche en même temps que t'accélères, mais du coup, si tu le fais mal, tu vas perdre plus de vitesse que tu vas prendre d'angle, donc ça va aussi te pénaliser. Ouais. Allez, les gars. 3, 2, 1, go. Alors vraiment, Maxence qui initie plus tard que Xela quand même, qui laisse plus le temps. Xela qui est là, Maxence qui est un tout petit peu plus loin sur certains clips, mais pas sur tous. Est-ce qu'il va réussir à aller chercher loin? Et ouais, Maxence va réussir. Voilà. Maxence, son est pas chier, bon pilote. Il s'est roulé à presque toutes les lignes, donc tu lui dis va là, il se met là. En tout cas, GG aux deux. C'est là qu'il s'est battu. Ouais, de ouf, complètement. Ah, GG les gars, super beau run, 2-1. Ça va être pour Maxence. Je pouvais pas faire plus extérieur, je crois. Non, mais c'est littéralement ce qu'on demandait en fait. Sauf que je pense que tout le monde s'est entraîné en le prenant intérieur. Ouais, je pense. Et enfin. Sauf certains qui sont venus demander comment on le passait. Mais du coup, ouais, très beau run tous les deux. Tous les deux bien battus et vous méritez franchement autant l'un que l'autre hein. Il y a eu de la proximité à... Il y a eu gavé de proximité, ça faisait bien plaisir à voir. C'est le premier run. Et c'est encore une fois c'est les runs qui font chier à départager, ça fait mal de... Ouais, c'est sûr. Ça, on veut que des one more time quand tu vois ça, c'est dur. Mais en tout cas Maxence finale et puis Xela petite finale. Hein. Tels. Reste là, du coup tu vas passer sur l'autre. Ok, bah merci bien. Hein. Quoi? Du coup il se retrouve contre Tails, c'est ça? Tails, parti. Bah, par contre le premier run avec... Quand j'étais en chain avec Maxence. Ouais.
Les erreurs de Tails du coup sont dues à ça en fait. Voilà. Ouais. Du coup moi je donne ma one more time pour ça. Voilà. C'est con hein, parce que putain il a. Du coup il avait fait son run hein. Mais vas-y t'émeute, je vais le préciser parce qu'en plus je l'ai déjà dit en bref. Ouais, du coup pour moi et pour Inside c'est one more time parce que Nicolas, en plus je te l'ai un peu précisé, tu m'as demandé. Genre t'as pris ton virage et t'as pas pris le temps de te mettre droit, de faire 2 mètres droit, et t'es vraiment sorti du virage en... Ouais, après elle est partie avec la bosse. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Et du coup pour moi ça gêne vachement Tails. Après c'est possible que ce soit pas que ça hein. Peut-être qu'il a juste fait son mauvais run. Mais y a pas de paix. Par principe tu vois. Ouais y a pas de paix. Vu que hop et j'ai pas voulu trop ralentir toi. C'est ça, limite prends un petit peu plus à l'extérieur tu vois. Comme ça tu dois balancer plus d'angle et ça arrive moins bien ce que je fais. En tout cas bon. Ah, je t'en veux à mort là, laisse tomber. Tu m'étonnes. Allez, c'est parti, les gars, écoutez le top. 3, 2, 1, top. Voilà, c'est pas grand chose, hein, mais on monte juste un petit mètre. Tout le monde est droit pour que le chase sache comment se mettre. Et la Tails encore qui loupe son clip. Et du coup Nicolas qui vient manger le clip pour essayer de le rattraper et qui rapproche très bien, on va dire. Ça rapproche bien. Ouais. Dommage pour Tails hein, parce que là pour le coup il se remet en une position difficile. C'est partir sur un run comme ça contre Nicolas avec un clip perdu, c'est gros handicap. Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait avec Tails? Ah putain, je l'ai kick, Calmerguez. Attends. Alors, attends, 2 secondes, Nico. Où il est l'ami Tails? C'est chiant parce que, genre. Juste en dessous de mettre en sourine, c'est des connexions, attends. Je lui envoie un message. C'est bon, il se reconnecte encore une fois. Bord de place. Voilà. Ouais, désolé, les boutons sont très très proches. Juste en dessous de sourdine, c'est déco, du coup. On fait des conneries. Bon, vous êtes prêts? Faites gueuler les moteurs là un coup. Ouais, allez. 3, 2, 1, go! Alors, c'était loin des clips là. Ouais. C'était loin des clips. Tels qui. Ça, c'est encore loin du clip. Radico. Ça. Ah là là. Ah là là. Est-ce que je peux revoir ça en replay? Bah, c'est à dire que Nico il a. Oh là là, et c'est presque comme s'il l'avait loupé. Hein. Franchement, j'en regardais sur le replay, il a passé, mais une languette de son pare-choc. Tails il a loupé de plus, mais il y en a qu'un qui l'a loupé. Pour moi, c'est one more time encore. Bah, c'est plein de petites fautes. Enfin, c'est trois petites fautes, ou on va dire trois clips presque pris chez Nicolas. Et c'est un clip pas pris chez Tails. Pour moi, c'est équivalent. Et vu le run qu'ils ont fait avant, où Nicolas fait une erreur d'initiation, je pense qu'on peut. Moi, je repars sur un run more time, c'est le dernier. Et voilà, ouais. C'est mon avis. Toi, c'est quoi? Moi je préfère partir sur One More Time parce que j'ai pas envie de juger malencontreusement. C'est ça, ouais. Bah, pour moi les erreurs se valent en fait. Surtout que 3 clips à peu près pris, ça vaut largement un clip à pris, tu vois. Mm-hmm.
Après, il y aura toujours des gens qui vont pouvoir critiquer la décision. Là. Bref, on est pour le beau jeu. Allez, les gars, c'est reparti. On n'arrive pas à décider. Il y a eu trois clips presque pris, vraiment avec difficulté de la part Nicolas. Et il y a eu un clip qui n'a pas été pris par Tails, mais qui, franchement, c'était entre vous deux, c'était quoi, à 20 cm près. Donc, pour nous, on a jugé que trois clips pris, mais à 10 cm, valaient un clip pas pris. Voilà. Voilà, voilà. Positionnez-vous. Et c'est le dernier. C'est le dernier. Chauffez bien vos pneus. J'ai bien stressé, pas trop, mais bon. Je sais ce que c'est. Tails qui est en train de carboniser ses pneus là, je sais pas ce qu'il branle. Mais... C'est tout rouge. Il va rouler sur un barbecue, tu sais. C'est aussi rouge que la voiture à l'époque. C'est ça. Allez, 3, 2, 1, go! Il doit avoir la pression, les deux. Ouais, clairement. Ah, et là, putain, Tails qui fait une belle. Ouh! Initiation, mais malheureusement ça vient un peu trop à l'intérieur. Nicolas qui dive fort, mais qui a eu un petit peu de mal. Et Tails qui ne prend presque pas ce clip. Allez, va chercher loin. Ouh là 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 là. Oh, malheureusement, Nico qui a sorti de roue. Alors que le leader, le leader l'a pas vraiment poussé à sortir de roue. Au contraire, il était presque trop intérieur plutôt que trop large. Ouais. Ah, ça c'est dommage pour le coup. On a peut-être un retournement de situation qui est arrivé là. On sait pas, à voir. Pour un run à la suite, j'ai l'impression que les bras fatiguent. Ouais, et puis au bout d'un moment, ça pèse un petit peu sur les nerfs, je pense. C'est ça. Ouais, faut pas être concentré pendant 15 ans. Allez, démute-moi tout ça. Allez, 3, 2, 1, go! La tension à Tails. Ah, voilà. Nico qui nous fait un. Ouh, attention à ce clip là qui est pas vraiment pris. Aïe 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 aïe, c'est difficile. C'est difficile. Oh, et c'est encore un 0. C'est un 0 pour Tails aussi. Quel enfer. Les gars, s'il vous plaît, comment on fait pour juger des trucs comme ça, non? Malheureusement, comment on fait de ignorer cette ligne de zéro et là il faut juger sur le overall, c'est-à-dire que le général. Ils sont pas cool, quel enfer. Le lead de Nicolas était meilleur parce que. Tails a coupé quand même le. Pour moi généralement les leads de Nicolas étaient meilleurs si on nommait le lead où il a plus ou moins empêché Tails de chase, enfin pas empêché mais il a pas mis dans une position facile. Et je dirais que pour ça en général Nicolas mérite la victoire, mais dans un sens quel enfer, c'est pas gentil ce qu'ils font là, c'est des bâtards. C'est des gros bâtards. Je te jure, t'as vu. Oh là là. Après, est-ce qu'on peut dire que Tails a sorti moins de roues Tails a sorti deux roues, mais pas très longtemps, il s'est vite rattrapé. Dans le Guinico, c'était vraiment sur tout le long, les deux roues sorties. C'est vrai que. Ouais, la sortie Nico était quand même très très grossière un petit peu, si on peut dire ça. Alors que celle de Tails, c'était genre une bonne maladresse. Un petit peu au début, ouais. Après, pas l'avantage à Tails. Écoute, je regarde juste le run, hein, voilà, parce que ça... Mais je regarde parce que je suis même pas sûr que vraiment il a sorti de roue, hein. On l'a vu, mais... Je veux regarder le run, les deux manches. Parce que
je vais regarder, je vais juger par rapport à ce battle et par rapport à la proximité des clips, parce que voilà, voilà, c'est bien ce que je pensais. Sur le troisième clip, bon, on a Nicolas qui touche à peine le clip avec ses pieds. Zella qui essaie de revenir, qui fait une touchette quand même. Ce que Nico n'a pas fait. Thalys, tout pour moi, ouais. Et ouais. On va regarder le replay. Pour moi, ouais, bon, après, de son deux roues, c'est 0, c'est 0. Il n'y a pas un moins 10, c'est 0, c'est un 0. On peut pas juger la puissance du 0. On peut pas diviser par 0. Pour moi, ma voix va à Nicolas parce que il y a une poussette de Thalys sur le clip 4. Ouais. Et voilà, et en fait il a essayé de se rattraper en allant chercher à l'extérieur alors que bon, Nico il y allait pas, donc une espèce de mauvaise lecture. Après, si toi ta voix va à Thalys, on les refait partir sur Armored Mortal, hein, je suis désolé, mais on fait ce qu'on veut, c'est nous qui fixons les règles. Et que à ce niveau là, voilà, mais moi personnellement, je la donne à Nicolas, mais c'est ça pourrait y aller à Thalys, donc ouais, voilà. Ben, moi du coup, ouais, vraiment, je la donne sur Thalys. Tu? Moi je donne ma voix sur Thalys, là, vraiment, sur le coup. Sur bah tu sais quoi, nique les règles, allez, one more time, tant pis, ouais, hein, ouais. Ça y est. On n'est pas, des juges pro et on est que deux, malheureusement. Yo, yo. Ouais, les gars, vous êtes des gros bâtards. Vous êtes pas gentils avec nous, hein. Bah du coup, en fait, nique les règles, vous allez repartir pour un one more time encore parce que genre on se sent pas donner une victoire sur... Vous méritez vraiment, enfin nous, de nos yeux, de ce qu'on a vu, vous méritez autant l'un que l'autre. Donc voilà, ça part sur, ouais, one more time. Désolé, Nico, mais... nous sort deux roues sur le dernier et ouais, j'ai Tails aussi, donc... Ouais, j'ai sorti des roues. C'est ça, et niveau clip c'est similaire quand même, hein. Vous êtes quand même... Des fois vous êtes loin des clips. Après, il y a eu une poussette de Thalys, mais bon, c'est pas... Bah, au moins on roule, hein, on va pas se plaindre. Ça vous dérange pas, ouais, c'est bon. Hein. Ok, ça marche. Attends, que ça soit le dernier. Tu dis quoi, Nico? Non, je disais à Thalys, tu me fais la même entrée là que au dernier run là avec beaucoup d'angles et je te suis. Allez. Le backward, j'ai envie, hein. Non, retenez-vous s'il vous plaît, les gars, un peu de... Allez. Concentration. Un peu de retenue. 3, 2, 1, top. Allez, départagez-nous ça correctement. S'il vous plaît, foirez-vous et puis c'est tout. Allez, bon. Thalys qui fait pas un super bonne initiation, hein. Qui prend pas beaucoup d'angle, on sent qu'il essaie d'assurer son run et qui prend pas beaucoup de clips, qui fait pas un backquad. Oh non, Nico, ça sort une roue, j'ai pas vu la deuxième. Une seule, bon, attends. Je suis quasiment sûr. Attends, est-ce que le replay marche? Le replay marche pas, bon, on verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Je regarde là sur le... J'ai fait un petit bac en arrière là, vérifier. Un petit bac en arrière, des bacs en avant aussi. Ça y est, c'était pas ça. Non, ouais, c'est sorti du même. Ouais, c'est pas bon, attends. Attends, je regarde, allez. Hein. Ah, attends. Allez, quand tu veux. Allez. 3, 2, 1, go.
Un départ un peu similaire et malheureusement Nico qui mange un petit peu la le trait rouge. Jaune plutôt. Tels qui force et clip un peu. Ou Tels qui arrive très fort et qui se freine bien. Attends, je regarde le replay. Parce que ouais, voilà, on a Nico qui met une roue sur la bande interdite au tout début, après le premier clip. Ok, et je vais juste vérifier le run de Tails en ligne. Créer Tails qui fait presque la même, hein. Après, malheureusement, ouais, bah moi je la donne à Tails parce que ouais, à cause de la roue sortie, quoi. Ouais, voilà. Après, ça reste critiquable dans le sens où merde, le stream. Dans le sens où il y a quand même des clips qui sont pas pris, mais ça reste comme une grosse erreur. Et Tails, lui, il a pas fait une si grosse erreur que ça, mis à part réduire la vitesse, quoi. Donc, ouais, pour moi, ça part à Tails. Allez, bien joué, les gars, GG. Ouais, infernal, mais la roue de Nicolas à l'extérieur et potentiellement le double roue. Vaut la victoire, du coup ce sera pour Tails. Ah, mais c'est cool, nickel. En tout cas, de toute façon, il y en a un en finale et l'autre en petite finale, donc il y a encore des runs à faire, les gars. Allez. C'est pas fini. Allez, à toutes. Nicolas, tu peux rester là. Hein. Ouais. Parce que du coup, c'est Tails contre toi. Non, Xela, toi, moi. C'est Xela et c'est Xela en lead. C'est tout à fait ça. Aïe. Allez, Xela, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles, toi? Calme-toi. On avait parié, c'est qui passait? Alors? Qui c'est qui a gagné le pari? Ah, c'est moi. J'avais dit que c'était toi qui passait. Mais c'était un enfer à juger, ouais. J'aime pas les trucs comme ça. Je suis pas un vrai juge et tout, tu vois, du coup. Bon, les gars. Allez. On se concentre. Nicolas, on essaie de se détendre. C'est au moment qu'il y a déjà. Je vous mute. Allez. Ça y est, tu l'as. Ouais, je fais leur gros top. 3, 2, 1, top. Oh là là, ouais. La fatigue, je pense, pour Nicolas un peu. Ouais, c'est normal. Il me montre qu'il est encore là. Ah ouais, ouh, attention, oh, on va chercher trop là, mais quel beau rapprochement, non, c'est cool. Il a bien suivi. Allez, s'il vous plaît, un petit replay là. J'aimerais bien juste voir aussi l'initiation de Xela, voir ce qu'il a fait sur son. Et c'est malheureusement ce que j'ai reproché tout à l'heure à Nicolas, Xela l'a fait, en plus large, mais il l'a fait. Donc malheureusement. On va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe, mais ça reste un mauvais point pour Xela quand même. Hein. Même s'il a fait un super run. Allez, tu peux les lancer. Aïe aïe Xela. Aïe 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 Xela. Dommage.
En tout cas, ils ont roulé ce qu'on veut. Nicolas qui a pas démérité parce qu'avec tout... avec les 4 runs, enfin du coup, 5ème run à la suite qu'il a fait. GG Nicolas, GG Xela, mais ça va être Nicolas qui a monté sur la 3ème marche. Ouais, c'est déjà 4ème. Hein. Allez. Allez les gars. Moi je ferai attention à ce que je dis, c'est à quoi se planter ça. Jamais. 4, hein. Si c'est juste parce que genre tu sais on voulait pas, bah c'est déjà c'est ça, c'est juste que ça faisait mal de juger d'avoir peut-être loupé quelque chose et tout, genre du coup on s'est dit c'est quoi, vas-y on redonne un one more time et puis voilà. Puis, de toute façon allez, les finalistes s'élancent, ils vont se battre pour le podium. Les deux méritent leur première place. Et bénédiction pour les deux. Thales qui garde sa distance. Maxence qui couvre les clips comme il faut. Thales qui est totalement là. Hein. Il mimique parfaitement la ligne de Maxence. Ouais. Il est conservateur sur sa proximité, mais. Oui. Totalement présent sur la ligne. Alors là, Maxence. Inspire. Maxence, il va pas falloir qu'il déconne sur la proximité pour pouvoir battre Tails, parce que sinon. Sinon, c'est one more time ou ça potentiellement une défaite pour lui. On va voir ce que Tails va nous offrir. Espérant que la fatigue pas trop présente. Allez. Fais-leur le top. Allez, 3, 2, 1, go! Ah la tête, dommage se louper là sur l'initiation. Ouais. C'est dommage. Et Maxence qui du coup a du mal à revenir, hein, forcément. Quand on se fait jeter de la trajectoire. Bon, dommage en tout cas, c'était quand même. Ouais. C'est des beaux runs, mais. Mais là, voilà. La Maxence en face. Allez, bien joué les gars. J'ai la roue dehors. Bien joué, la roue dehors, l'initiation difficile, les petits clips, les petits trucs, okay. Mais en tout cas, j'ai hâte de jouer deux. Hein. Après Maxence qui était beaucoup plus frais que toi aussi je pense, tu vois. Ouais. Et en vrai vous avez bien joué. Attends, je crois que j'ai sorti mon meilleur run suiveur, je crois. Là arraché. Oui, oui. Ah non, là t'as fait un run monstrueux en chase, hein, oui, clairement. Ouais, mais par contre le run lead était. Ouais, le run lead était pas top. Mais en tout cas ouais, non, vous avez fait. Ouais, t'as fait un peu un backward à l'initiation quoi. Ouais c'est ça. C'est vrai, et puis des clips durs à atteindre quoi. Donc voilà. En tout cas GG à Maxence, hein, encore premier. Ouais, bah merci. Ça commence à devenir une habitude. Hein. Bah les qualifs là. C'est ça. Non mais. Pas de chose, on voit les gens qui s'entraînent et qui prennent ça au sérieux aussi, tu vois. Enfin, ah bah carrément, je veux te le dire, je me suis pas entraîné pour cette manche. Ah mais tu la connaissais pas un peu par cœur d'un Star? Mais ça faut pas le dire ça. Bah la map je la connais mais j'ai jamais roulé avec la Mustang. Ah ouais? Sérieux? Ah non, ouais. Nice. Avec Alexis, on a roulé 10 minutes avant de venir parce qu'on bosse sur notre caisse pour la CDFR et on s'est pas entraîné. Ok, d'accord, parce que là, ta caisse, ça va changer? Pour la CDFR, ouais. Ah, je me disais, elle avait pas les pneus la dernière fois, j'ai testé, elle a pas les pneus. Ouais, elle a pas les pneus de la CDFR, elle a les pneus de la CDFR V2. Bah, en tout cas, GG à tout le monde, hein. Ouais. Bah, merci. On peut sur le podium, non? Et voilà, ouais, allez, ouais. Tout le monde sur le podium.